Salut, salut. J'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne InfoAssist d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, nous verrons, nous parlerons de la mise à jour du OG WhatsApp. Voilà, pour ceux qui utilisent le OG WhatsApp, ils doivent savoir qu'il y a une mise à jour qui a été effectuée aujourd'hui et il est vraiment important de faire cette mise à jour-là. On avait déjà pu noter certains bugs, voilà, certains bugs sur la mise à jour précédente. Voilà, sur la mise à jour précédente que OG WhatsApp a essayé de corriger ces bugs-là. Voilà, donc si vous utilisez OG WhatsApp, vous pouvez dès et déjà faire la mise à jour pour pouvoir corriger ce bug-là. Donc nous allons voir, nous allons rentrer dans OG WhatsApp. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi OG WhatsApp? OG WhatsApp, c'est un WhatsApp, voilà, qui n'est pas affilié à WhatsApp, mais qui a plusieurs caractéristiques. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre en ligne, vous pouvez voir qui est en train de regarder votre statut, qui est en train de... Vous pouvez regarder les statuts de vos amis sans du... Voilà, il y a plusieurs fonctionnalités sur le OG WhatsApp en question. Donc, pour faire la mise à jour de ce OG WhatsApp, c'est tout simple. Vous allez venir sur les trois points qui sont juste ici. Les trois points qui sont juste ici. Et vous venez où c'est marqué... Où c'est marqué OG Setting. Vous voyez, c'est marqué OG Setting. Vous appuyez sur OG Setting. Voilà. Et une fois que vous êtes dans OG Setting, vous venez dans Update. Voilà, vous venez où c'est marqué Update ici. Voilà, où c'est marqué Update ici. Vous venez dans Update. Et là, vous allez voir que vous allez voir votre version de WhatsApp en question. Ici, nous sommes à la version 16.20. Vous, si vous êtes toujours dans la version précédente, vous allez voir que vous êtes toujours à la version 15. Voilà, vous êtes à la version 15, alors que la dernière version qui vient de sortir, c'est la version 16.20. Et comme vous pouvez déjà le voir dans la correction qui a été ajoutée, Fixed AMI Update Notification by Play Protect, c'est-à-dire les notifications n'étaient pas protectées, n'étaient pas protégées. Et aussi, il y avait, concernant les screens Awesome Davis, voilà, il y avait un problème aussi à ce niveau-là. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est toutes les corrections qui ont été apportées. Voilà, où c'est marqué Fixed, 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 c'est des corrections qui ont été apportées. Et on voit que la date, c'est le 25 mai 2022. Bon, 25 mai 2022, aujourd'hui, le 26. Donc, c'est hier que cette mise à jour a été faite. Donc, si vous utilisez le OG WhatsApp, il est important de faire cette mise à jour là pour être à jour sur votre OG WhatsApp. Pour le faire, c'est tout simple. Vous allez venir où c'est marqué Update for Web, Update for Web ici, et vous allez voir que Android Wave va apparaître. Voilà, Android Wave va apparaître. Et là, vous allez descendre, descendre, descendre tout en bas. Voilà, tout en bas. Ici, on va vous donner les différentes caractéristiques du OG WhatsApp. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, c'est les fonctionnalités du OG WhatsApp Pro. Vous pouvez le lire pour savoir un peu le OG WhatsApp sert à faire quoi. On vous dit que vous pouvez utiliser deux comptes WhatsApp sur votre appareil Android. Vous pouvez modifier la couleur et l'arrière-plan du compteur de messages non lu directement dans la fenêtre de description. Et il y a aussi un design tweak pour vous aider à personnaliser la façon dont vous souhaitez utiliser OG WhatsApp Pro. Et vous pouvez personnaliser les contacts en définissant des couleurs de texte spécifiques pour le statut, le message non lu, le nom. Voilà. Donc vous pouvez modifier plusieurs choses. Vous pouvez mettre votre photo en conversation à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Vous pouvez limiter qui peut vous appeler avec une fonction de blocage d'appel. Voilà. Vous pouvez masquer ou afficher le statut avec des fonctionnalités de personnalisation facile. Concernant le limiter qui peut vous appeler avec une fonction de blocage d'appel, là, je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est aussi très important. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans votre discussion, par exemple. Lorsque vous êtes dans votre discussion, par exemple, vous venez sur le nom de votre ami, par exemple. Je salue au passage mon frère Tanoé. Vous voyez où c'est marqué aucun appel ici. Où c'est marqué aucun appel. On voit que ce n'est pas activé. Voilà. Donc si j'active cette fonctionnalité, à chaque fois qu'il va essayer de m'appeler, il ne pourra pas me joindre. Ça va rejeter l'appel automatiquement. Voilà, ça va rejeter l'appel automatiquement. Donc, si vous ne voulez pas recevoir l'appel d'un de vos amis ou d'un de vos contacts dans votre répertoire, vous venez ici et vous cochez la case et vous allez voir que cette personne-là ne pourra plus vous appeler sur WhatsApp encore. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer cette petite précision-là. On va revenir. Voilà. Vous pouvez masquer
Vous pouvez masquer ou afficher le statut avec des fonctionnalités de personnalisation faciles. Vous pouvez contrôler maintenant la lecture des chats en utilisant le verrou d'empreinte digitale. Vous pouvez assurer une confidentialité accrue pour les contacts, les groupes et les diffusions. Vous pouvez envoyer 100 images à un contact. Voilà. Donc il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs fonctionnalités dans ce WhatsApp là. Vous pouvez écrire un statut de plus de 250 mots. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc pour télécharger la mise à jour, c'est tout simple. Vous allez venir où c'est marqué Mirror Donald. Vous voyez ici, c'est marqué Mirror Donald. Il y a Direct Donald. En fait, le Direct Donald, il ne passe pas pour d'autres. Voilà, c'est pourquoi j'aime plus utiliser le Mirror Donald qui va vous envoyer sur un site de Mediafi où vous allez pouvoir télécharger et faire votre mise à jour. Voilà, votre mise à jour. Vous voyez, quand vous êtes ici, par exemple, vous appuyez simplement sur la flèche blanche qu'elle a là et vous allez voir que le téléchargement va se lancer automatiquement et vous allez pouvoir mettre votre OG WhatsApp à jour. Pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez appuyer ici et vous allez télécharger le OG WhatsApp. Donc ça passe des deux côtés. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de t'abonner, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Je le répète encore, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je balance de nouvelles vidéos. C'est vraiment très très important d'activer cette cloche-là. Comme ça, tu seras informé avant les autres. À chaque fois que je fais un tuto, tu vas recevoir une notification pour te dire info et astuces d'Abidjan vient de balancer une vidéo. Comme ça, tu pourras être informé. Voilà, tu pourras être informé sur les différentes astuces que je balance. Si tu es aussi sur Facebook, n'oublie pas de te rendre sur la chaîne. La chaîne Facebook, voilà, c'est Info et Astuces d'Abidjan. Tu tapes ça dans la barre de recherche sur Facebook et tu vas retrouver la page. Portez-vous bien.